Innover, c'est avoir une idée, une invention. L'innovation, c'est le moteur du développement économique. Encore faut-il assurer son financement. Que signifie l'innovation pour un banquier ? Depuis sa création, le Crédit Agricole s'est adapté pour être toujours à la pointe de la technologie. Ainsi, les premiers registres papier ont fait place à la mécanographie, puis à l'informatique, la télématique, puis avec Internet. Le Crédit Agricole a été pionnier, notamment dans le domaine des moyens de paiement sécurisés et de la banque à distance. Il a toujours vu la technologie comme un moyen de donner plus d'autonomie à ses clients et de leur faciliter la vie. Le lien avec le conseiller est toujours là, 100% humain, 100% digital. Ce slogan est plus que jamais d'actualité. Dans le domaine agricole, l'innovation s'est bien sûr matérialisée par des prêts spécifiques à l'équipement, mais pas seulement. Des structures dédiées à l'innovation ont été créées dans les années 70 comme Unicam et le Fonds pour l'innovation et la recherche. Pour aller encore plus loin, les rubans verts de l'agriculture sont créés en 1985 afin de récompenser les meilleures innovations dans le domaine agricole. À vous de jouer. Aujourd'hui, c'est le site d'information Plainchamp, le plus consulté de France, qui poursuit l'une des grandes missions du Crédit Agricole, aider les agriculteurs à gérer leur exploitation. Mais le soutien à l'innovation s'est rapidement élargi au monde rural en général. Dans les années 80, le Crédit Agricole aide au déploiement de la télématique et du Minitel dans les campagnes. Il distribue aussi le logiciel Mericam dans les petites communes pour faciliter leur comptabilité. Vous pouvez donc investir à hauteur de ces 214. Très tôt, le Crédit Agricole a aussi soutenu la recherche sur les énergies renouvelables et les actions concrètes liées à l'environnement. En 1976, il a notamment financé à Saint-Quentin-en-Yvelines le prototype d'une maison fonctionnant entièrement à l'électricité produite par des panneaux solaires. Au début des années 80, les sociétés Unifergie et Agrinova sont créées pour financer des entreprises spécialisées dans la création de matériel producteur d'énergie renouvelable. Toujours dans le domaine de l'environnement, le Crédit Agricole soutient l'opération Plastique Odyssée qui travaille sur la récupération et le recyclage des déchets plastiques. Le Crédit Agricole innove aussi dans ses produits financiers qui prennent en compte les sujets environnementaux. C'est le cas depuis 2009 avec les Green Bonds, puis avec les Social Bonds depuis 2020. Ces obligations sont dédiées au financement de projets ou d'activités à vocation environnementale ou sociétale. Enfin, le Crédit Agricole continue de promouvoir l'innovation dans les territoires avec son réseau de Village by CA, des espaces de rencontre entre start-up et grandes entreprises. Il met ainsi en pratique le concept « coopérer pour innover » et agit ainsi chaque jour dans l'intérêt de ses clients et de la société. C'est peut-être cela, le dessin de la galaxie Crédit Agricole.